Le Réseau des sports vous présente le Festival d'accélération AutoPro de Saint-Félicien. Une présentation d'AutoPro, de la bière désalcoolisée Saint-Michael's et par les bétons préfabriqués du lac. Mesdames, Messieurs, ici Michel Hervé en compagnie de Denis Lecourt. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle série d'émissions en marge du Festival d'accélération Fun & Car de Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean. Donc, au cours des trois prochaines semaines, nous allons vous présenter ce qui s'est passé justement au cours de ces programmes. Denis, d'abord, sans parler justement des catégories au programme que nous allons voir. Il y a les catégories qui compétitionnent de façon régulière sur les pistes québécoises. On pense aux catégories street, évidemment, les voitures de rue, catégories pro, EV et également les voitures supergaz, en plus d'une catégorie de moto qui est en compétition ici à Saint-Félicien. C'est évidemment la première ronde de qualification qu'on va avoir. Est-ce qu'il y a des pilotes qu'il faudrait surveiller, surtout? Des pilotes à surveiller, il n'y a pas des gros noms au niveau de l'accélération. On n'a qu'à penser, puisqu'on parle du Festival de Fun & Car, on pense à Gilles Daou en premier lieu ici au Québec. Malheureusement, Gilles Daou avait déjà des engagements pris antérieurement sur un autre circuit en Ontario. Il n'est pas présent ici à Saint-Félicien, mais il y a quand même d'excellents compétiteurs du Lac-Saint-Jean principalement qui n'ont pas l'occasion peut-être de compétitionner de façon régulière à des compétitions d'accélération. Il y a peut-être aussi une catégorie qu'on est très habitué de voir au Québec, ce sont les motos comme telles. Oui, les motos, il y a une vingtaine de motocyclistes, il y a plusieurs de la région de Montréal qui sont des adeptes, compétitionnent sur d'autres pistes dans la région de Montréal de façon régulière et qui sont venus ici au Lac-Saint-Jean pour compétitionner dans une catégorie bien spéciale. Si on parlait de ce circuit de Saint-Félicien, on est habitué un peu au Québec, comme Saner, Napierville, de voir des circuits d'un quart de mille. À Saint-Félicien comme tel, c'est un huitième de mille. Il y a une différence de préparation, j'imagine, pour chacun des participants. Oui, tout d'abord, j'aimerais peut-être faire une mise au point concernant l'autodrome Saint-Félicien. Moi, ça fait quelques années que je viens ici à Saint-Félicien, depuis que M. Boulanger, le propriétaire ici à Saint-Félicien, qui met des efforts absolument incroyables, qui maintenant, c'est sa première compétition d'accélération, une compétition organisée avec un système complet de chronomètre ici à Saint-Félicien. C'est une piste d'un huitième de mille. Au niveau de la préparation, il n'y a pas vraiment de préparation spéciale. Évidemment, le huitième de mille, même sur un circuit d'un quart de mille, la distance du huitième de mille est peut-être la distance la plus importante en accélération. Malheureusement, c'est un complexe sportif qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est un peu à l'extérieur des grands centres, mais comme vous l'avez mentionné, c'est très bien organisé et c'est un circuit qui est en place depuis plusieurs années. Plusieurs années, le complexe Autodrome Saint-Félicien, on n'a qu'à souvenir, dans les années 70, Gilles Villeneuve avait remporté une épreuve ici en Formule Atlantique, puisque le complexe comportait à l'origine un circuit routier. Il y a eu une piste ovale, ça a maintenant été transformé en piste triovale. Les pilotes du circuit américain, American Canadian Tour, qui se présentent ici une fois l'an, et maintenant on y présente l'accélération. Alors Denis, merci. Allons voir, mesdames, messieurs, comment ça s'est passé sur la piste. Alors, nos deux prochains concurrents en classe street, il s'agit de la voiture 310 de Danny Roy et le 306 d'Éric Boucher. Danny Roy qui est dans le haut de l'écran au volant de la Corvette. Oui, Éric Boucher qui prend le départ, Michel, dans la ligne Saint-Michael's, puisque les lignes ont été baptisées pour l'occasion, la ligne Saint-Michael's et la ligne AutoPro. Et c'est Danny Roy qui remporte la victoire avec une vitesse de 76,42 000 à l'heure en un temps de 9 secondes 647. Oui, un temps de réaction relativement lent, 1,25 de temps de réaction. Les temps de réaction, évidemment, on manque de traction à la ligne de départ. Un petit peu une nouveauté pour certains d'entre eux qui sont en compétition ici aujourd'hui. Le 312, voiture blanche, Roger Lavoie et Benoît Tremblay, la voiture bleue, deux Fiero. Oui, deux Pontiac Fiero qui sont en compétition, une 85 et une 86. On avait choisi dans la ligne AutoPro la Fiero Blue, on avait choisi un temps de 10.36, on roule à 10.32. Donc en bas de son index, la victoire qui revient à Roger Lavoie. 57 000 à l'heure, 84. 57,84 000 à l'heure. À 11,84, le temps réalisé par Roger Lavoie. On peut voir la différence un petit peu sur la piste 8e de mille. Nos deux prochains concurrents dans le haut de l'écran, Richard Tremblay, voiture 200 et le 308, Richard Potvin. Oui, Richard Potvin, dans sa magnifique Camaro de couleur verte, une Camaro 68 de Richard Potvin, qui lui a choisi un temps de 8,50 pour cette compétition, concédait un avantage à son adversaire qui lui avait choisi un temps de 9,59. Alors on verra ce que ça va donner au fil d'arrivée. La victoire qui revient dans la ligne Saint-Michael's à Richard Potvin.
grâce à un excellent temps de réaction de 886, 867 le temps qu'il réalise avec un millième, 82 000 à l'heure. Nos deux prochains concurrents, il s'agit de la voiture 303 dans la ligne AutoPro, Louis Ouellet, et le 301 dans le St. Michael's, Gino Poirier. On a une petite idée un petit peu, Michel, on vient de voir avec la prise de vue à l'avant, le temps de réaction des pilotes, à quel moment ils doivent couper une lumière. Une vitesse donc pour Louis Ouellet de 74,62 000 à l'heure, voiture 303, un temps de 9,789. La voiture verte. Nous allons maintenant présenter les deux prochains concurrents, la voiture 304 à la gauche de l'écran. Il s'agit de Carl Dubois et Gaston Dallaire, respectivement les voitures 304 et 313. On voit les deux lumières en haut de l'arbre de Noël, Michel, qui s'allument pour indiquer aux pilotes qu'ils sont bel et bien alignés. Le départ qui sera donné, le pilote à droite, celui qui est maintenant au bas de l'écran, juste une lumière qui est allumée, c'est donc ce qu'on appelle un « deep stage ». Il a avancé un petit peu trop. S'il avance quelque peu encore, il sera automatiquement disqualifié grâce à cette deuxième lumière qui éteindra s'il avance trop, évidemment. Mais les officiels ici qui donnent une certaine chance à ses compétiteurs qui ne sont pas, évidemment, habitués ici au lac Saint-Jean. Et ça, c'est bon, ça constitue en quelque sorte une relève du monde d'accélération au Québec. Donc, c'est un excellent départ et ce sera une victoire puisque de Gaston Dallaire dans la ligne St. Michael's, avec un temps de 10 secondes 784, il y a Carl Dubois qui est parti rapidement, je pense. Carl Dubois avait choisi un temps de 10-17 à tourner à 9.80. Oui. Donc, en bas du temps qu'il avait choisi, automatiquement perd cette course. Le 316 à la gauche, c'est Gordon McClemens et Gino Poirier qui revient. Oui, la Honda dans la ligne St. Michael's, moteur 4 cylindres, et la Cavalier dans la ligne AutoPro, également 4 cylindres. C'est la Cavalier qui franchit la distance le premier, Gaston McClemens. Malheureusement, il tourne en bas de son temps, avait choisi 12.81, a tourné 12.61. La victoire qui revient à Gino Poirier avec un excellent temps de réaction de 0.980. Il a tourné à 11.02, 62 000 à l'heure. À la gauche de l'écran, notre camion Jean-Luc Lee contre Denis Pajot, voiture 314. Oui, temps de réaction, le meilleur des deux temps de réaction au camion avec un temps de réaction de 0.671. Mais malheureusement pour lui, il va en bas de son temps par seulement 4 millièmes de seconde, Michel. Il perd à cause de 4 millièmes de seconde. La victoire revient à Denis Pajot. 59 036 à l'heure en un temps d'11 secondes 668. Maintenant, prochain concurrent, c'est la voiture de Luc Maltais. Oui, Luc Maltais qui profite de la course seule, évidemment, dans cette ronde éliminatoire. Luc Maltais qui était le premier pilote à se présenter dans les lignes de préparation. Donc, profite de la course seule, réalise un temps de 13.78 avec un temps de réaction au départ de 9.79. À la gauche de l'écran, Jean-Yves Ménard en voiture bleue et Martin Lehoulier au volant de la Corvette. Oui, Martin Lehoulier qui a le plus lent des temps de réaction avec la Corvette, mais malgré tout, respecte le temps qu'il avait choisi. Il avait choisi 9.86, il tourne à 10.15, 68 000 à l'heure avec un excellent 0.777 de temps de réaction. Là-dessus, mesdames et messieurs, on va faire une pause publicitaire. Au retour, le Super Pro. Denis, on avait à parler particulièrement du système de chronométrage, l'indice, l'handicap qu'on donne aux pilotes, qu'est-ce qu'il y en a exactement? D'abord, c'est le système ET Bracket et Lapse Time. On choisit un temps selon les séances de pratique le matin. En exemple, si vous avez un temps sur une voiture, voyez dans la ligne de droite, un temps de 9.9, temps choisi ici sur le 8e de mille, son adversaire choisit 9.7. C'est donc dire que celui qui a choisi 9.9 partira 0.2 seconde avant son adversaire. Au bout du 8e de mille, on doit respecter ce temps choisi. Si on va en bas de ce temps choisi, on est automatiquement disqualifié. Par contre, si les deux compétiteurs vont en bas de leur temps, c'est celui qui est allé le moins en bas qui remporte la victoire. Mais ça ne se passe pas comme ça dans toutes les catégories comme telles. Non, c'est une compétition selon le système ET Bracket. Merci, Denis. Donc, en Super Pro, nos deux prochains concurrents, il s'agit de la voiture 1110 de Daniel Boiteau, la voiture jaune, et le 632 de Clément Rochette. Oui, ce qu'il faudrait peut-être ajouter, Michel, ces derniers commentaires, c'est peut-être le temps entre chacune des lumières. Il y a 0.500 lorsqu'on fonctionne selon un système de handicap pour essayer de trouver, puisqu'on parle de temps de réaction,
Avec exemple, si on parle de 0.777, la dernière course qu'on a vue tantôt, c'est à 222 millièmes de seconde d'une lumière parfaite. Si on va en bas de 0.500, automatiquement, c'est la lumière rouge qui allume et c'est la disqualification. Les voitures maintenant qui ont une allure d'un peu plus d'accélération avec les gros pneus, évidemment, derrière. Et on est au départ. On a pu voir, Michel, d'excellents temps de réaction. 0.643 d'une part, 0.605 d'une autre part pour le pilote dans la ligne St. Michael's, Clément Rochette, qui d'ailleurs l'emporte avec un excellent 7.23 à 98, mais la leur 605 son temps de réaction versus 643, le tout qui s'est joué à la ligne de départ. Nos deux prochains concurrents, Jean-Luc Lee, voiture 100, la voiture orange, et le 10-48 de Bob Gagné. Oui, Bob Gagné dans la ligne St. Michael's, qui est un pilote, un fier compétiteur d'ailleurs, qui compétitionne de façon assez assidue, notamment la piste de Napierville, tout près de Montréal, et la piste de Pont-Rouge, tout près de Québec. Alors, les voitures qui sont à la période de réchauffement des pneus, évidemment, avec un peu d'eau, contrairement à ce qu'on pense, et la fameuse eau de Javel. Oui, comme le mythe. Vieux mythe, ouais. Alors, les deux voitures qui s'installent à la ligne de départ. On tente évidemment de réchauffer de meilleure façon que possible. Michel, les pneus, on voit les pilotes qui reculent à nouveau pour tenter de réchauffer les pneus au maximum. On sait que la piste est glissante, évidemment. C'est une première ici à l'Autodrome Saint-Félicien. Et ce matin, de bonne heure, très tôt ce matin, il y avait beaucoup de pluie tout au cours de la nuit et on a dû assécher la piste pour pouvoir présenter ces compétitions. Donc, les deux pilotes qui semblent en position prêt pour le départ, alors que Bob Gagné, lui, s'avance encore et c'est au tour de Jean-Luc Lee à la gauche de l'écran et Bob Gagné à la droite. Donc, excellent départ pour les deux pilotes et Jean-Luc Lee qui semble avoir pris une mince avance sur son adversaire. Une vitesse finalement de 92,78 milles à l'heure. Le tout s'est joué, Michel, au temps de réaction. 0.573 pour Jean-Luc Lee, 0.662 pour Bob Gagné. À l'autre bout, il y avait 4 dixièmes de seconde de différence à l'avantage de Jean-Luc Lee par rapport, plutôt 4 centièmes par rapport au temps choisi. Donc, Jean-Luc Lee qui prend la victoire. Un seul participant maintenant du côté du Super Gaz, voiture 1440, la Camaro de Jean-Guy Landry. Oui, Jean-Guy Landry, un pilote de Lachenay en banlieue de Montréal, banlieue Est de Montréal, avec sa magnifique Camaro. On sait que dans cette catégorie Super Gaz, l'index est à 0.990 sur une piste quart de mille. Quelles sont les différences entre cette voiture qu'on voit actuellement et celle qu'on a vue précédemment? La voiture Super Gaz, la mécanique n'est pas similaire. C'est plus standard du côté des voitures EV ou encore des Super Pro. Et les Super Gaz compétitionnent selon un index bien précis avec un départ professionnel, c'est-à-dire les lumières qui s'allument et on passe au vert. Donc, oui, allez-y. Il a réalisé un temps de 6,92. L'index est 6,40 du Super Gaz sur la piste 8e de mille. Une vitesse de 108 000 à l'heure. Maintenant, en catégorie EV, c'est Michel Rochette qui a pris le départ. Seul, il enregistre un temps de 7,689 secondes à 93,16 milles à l'heure. Nos deux prochains concurrents, c'est Jacques Ménard, voiture 201, à la gauche de l'écran, et le 202 de Emma Le Sablonnière. Marc-André, j'imagine. Marc-André de La Sablonnière, effectivement, qui est dans la ligne St. Michael's. Et Jacques Ménard, qui, lui, se retrouve dans la ligne Autopro. Ce qu'il faut également savoir, Michel, c'est que ces voitures qui compétitionnent dans une catégorie qu'on appelle EV, c'est-à-dire qu'ils ont des temps assez précis à indiquer sur leur voiture, lorsqu'on arrive lors des événements nationaux, un exemple, le Grand National de Molson, ces voitures sont des voitures de catégorie soit stock ou encore des voitures de catégorie super stock. Alors, les deux voitures qui s'installent sur la ligne de départ, Ménard dans le haut de l'écran et de la Sablonnière, voiture noire. Oui, la Plymouth de Marc-André de la Sablonnière et la Chevrolet Nova dans la ligne Autopro. Meilleur des deux départs a semblé revenir dans la ligne St. Michael's de la Sablonnière qui prend la victoire. Malheureusement, le temps de réaction chronomètre qui n'a pu fonctionner, malheureusement, pour ce qui est de ce temps de réaction, malheureusement. Les deux pilotes auront l'occasion, j'imagine, de se reprendre un peu plus tard au cours du programme.
Maintenant, c'est la voiture de François Simard, voiture 57. C'est plutôt le 203 d'Alain Racine, alors que François Simard est à ses côtés. On va le voir apparaître dans quelques secondes. Voilà. François Simard avec les fameux et les très populaires Duster 340 au début des années 70. Des voitures qui étaient très performantes, très puissantes, les moteurs, les 340. On en voit beaucoup en accélération. Oui, il y en a beaucoup. C'était à ce moment-là, au début des années 70, peut-être le type de carrosserie idéal. Il y avait également des Camaro du côté Chevrolet à ce moment-là. Alors, Alain Racine et François Simard, ce dernier à la gauche de l'écran. On voit l'arbre de Noël, c'est le départ. On a vu la lumière rouge du côté gauche de l'écran, ce qui nous rapporte maintenant dans la ligne Autopro. Donc, c'est Alain Racine, plutôt François Simard, qui a fait scintiller la lumière rouge. Alain Racine réalise un temps, lui, de 8,95 et un millième à 75,25 000 à l'heure. 850 son temps de réaction. Mais le tout était déjà acquis à la ligne de départ. On va passer maintenant, Denis, aux motos. C'est toujours une classe assez spectaculaire. Et dans le haut de l'écran, c'est le bolide 59 de Julien Aubin contre Guy Auclair, le 52-28. Oui, Julien Aubin et Guy Auclair, qui sont des pilotes comme la majorité de ceux qui sont ici présents à l'Autodrome Saint-Félicien, qui compétitionnent aussi au circuit de Napierville. Alors, c'est le départ. Julien Aubin qui semble jouir d'une mince priorité actuellement. Il vient coiffer le fil d'arrivée au premier rang avec une vitesse de 102,06 000 à l'heure. 102,06 avait un temps de réaction, le meilleur des deux temps de réaction avec 6,54, a réalisé un temps de 6,96 sur un temps choisi de 6,85. Le 10,92 que l'on voit à l'écran, c'est Serge Côté, son opposant, le 704, Denis Lavoie. Oui, Denis Lavoie qui prendra le départ, lui, dans la ligne Autopro. On peut voir Serge Côté, qui est un pilote habitué avec ce qu'on appelle la barre à l'arrière pour empêcher le bicycle de lever sur la roue arrière. Donc, les deux pilotes qui quittent la ligne de départ rapidement, et c'est Serge Côté qui va se présenter le premier à la ligne, mais sous son temps. Les deux pilotes en bas de leur temps, mais le moins en bas, c'est Denis Lavoie qui prend la victoire avec un 7,71, 91 000 à l'heure. Nous faisons une courte pause, mesdames, messieurs. Nous serons de retour tout de suite après. Denis, ce qui est important de mentionner, c'est qu'ici à Saint-Félicien, c'est la première fois qu'on organise un festival de Funny Car. Oui, le festival de Funny Car qui était sa première année ici à Saint-Félicien. L'année dernière, c'était présenté à Sanaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Saint-Félicien a déjà présenté de l'accélération, évidemment de l'accélération avec des gens du coin ici. On n'avait pas le système dont est muni maintenant l'Autodrome Saint-Félicien, un système complètement professionnel avec une équipe professionnelle qui s'est amenée ici spécialement pour l'événement. Maintenant, ça, on avait à démystifier justement ce mythe-là de lorsqu'on fait réchauffer les pneus avant le départ, est-ce que c'est de l'eau de Javel finalement? Non, il y a beaucoup de gens encore qui pensent que c'est de l'eau de Javel, mais définitivement, c'est de l'eau qu'on met sur la piste pour enduire le pneu d'eau pour procéder au réchauffement du pneu. Pour une meilleure adhérence, finalement, du caoutchouc. Pour une meilleure adhérence au départ, mais évidemment, les voitures alcool Funny Car qui manquent de traction tout le long de la piste ici, 8e de mille. Merci, Denis. Bienvenue. Nos deux prochains concurrents en piste, le bolide que l'on voit à l'écran, c'est le 1149 de Serge Jeté et à ses côtés, le 734 de Régis Pelletier. Et Jeté qui nous présente un bolide de 1250 cc. 1250 cc pour Serge Jeté. Régis Pelletier, lui, conduit une moto, c'est une RG500, une Suzuki RG500 pour Régis Pelletier. Donc, les deux bolides qui sont installés pour le départ. Nous verrons l'arbre de Noël s'allumer bientôt. C'est fait. Voilà. On peut voir, Michel, une lumière qui est brûlée, une lumière jaune qui est brûlée. Sur l'autre côté, il y a un autre set complet. Donc, le compétiteur, lui, a toutes ses lumières. C'est Serge Jeté qui vient ravir la victoire avec une vitesse de 102,04 000 à l'heure. Oui, Régis Pelletier a franchi la distance le premier, mais malheureusement pour lui, est allé en bas de son temps. Il avait choisi un 7,30 à tourner à 7,27. On voit le prochain concurrent, le bolide de 128 de Marco Bussière contre le 707 de Martin Bérère. Oui, et Marco Bussière qui, lui, a choisi un temps de 6,23. Marco Bussière avec un Kawa
1428 cc. Ouf, 1428 cc. Kawasaki, c'est une moto uniquement de compétition, contrairement à plusieurs autres qui sont présents ici avec des motos de rue. Ils sont venus à moto ici au lac Saint-Jean. C'est ce qui est remarquable, ce sont des motos très, très basses, ces motos de compétition. Oui, c'est des motos quand même profilées avec un pneu beaucoup plus large à l'arrière. Ce sont des motos de compétition. Malheureusement, il n'y a peut-être pas assez de compétition au Québec pour ce genre de compétiteurs. Oui, hein? Alors, Marco Buissière dans le haut de l'écran contre Martin Bérère. Bérère, Michel, le temps qu'il devra concéder, plus de une seconde, puisque Buissière a un index 6,23 et Bérère, lui, 7,50 son index. Alors, les deux pilotes qui sont installés, c'est le départ. Et ce sera surveillé, donc... Départ trop rapide de Michel pour Martin Bérère. Il a fait allumer la lumière rouge, donc la victoire revient automatiquement à Marco Buissière. Une vitesse assez rapide, 113,35 000 à l'heure. 6,26, le temps qu'il réalise, avait un excellent temps de réaction à 0.595, quand on pense que le temps parfait est à 0.500. Nos deux prochains concurrents, la moto numéro 11 de Clément Larouche à la gauche de l'écran contre le 12 de Gérald Bouchard. Oui, deux motos 1000cc, deux motos Kawasaki qui s'affrontent. Et un excellent départ, notamment pour Bouchard, avec un 5,26 de temps de réaction dans la ligne Saint-Michaels. C'est d'ailleurs lui qui franchit la distance le premier, malheureusement, en bas de son temps. La victoire qui revient à Clément Larouche avec un 7,74, 99,78 000 à l'heure. Lui avait réagi à 0.638. Donc, mais à respecter son temps, donc la victoire. Effectivement. Nos deux prochains concurrents, nos deux derniers dans cette catégorie des motos, celui que l'on voit, c'est le 92 de Denis Pajot et le 29,99. Son opposant, c'est Robert Genet. Oui, Honda versus Suzuki. Pajot avec une Honda 750cc, Robert Genet avec un Suzuki 1127cc pour Robert Genet. Robert Genet dans la ligne AutoPro, du côté de Denis Pajot, il prend le départ dans la ligne Saint-Michaels, la ligne de droite en ce moment. Donc, le départ qui est donné pour nos deux concurrents, et ce sera Robert Genet qui va venir croiser le fil d'arrivée au premier rang avec un temps de 6,378, une vitesse de 89,28 000 à l'heure. Les deux avaient d'excellents temps de réaction. Le meilleur temps de réaction était à Denis Pajot, mais Robert Genet est revenu très fort tout en respectant son temps pour prendre la victoire. De retour. On a la reprise, Michel, de la course dont on n'a pas eu de temps à l'écran d'indiquer un petit peu plus tôt. C'est donc de retour Jacques Ménard et Marc-André de la Sablonnière qui seront de retour. Jacques Ménard, la voiture 201 à la gauche, et de la Sablonnière, le 202, la voiture noire. Alors espérons que cette fois-là, le chronométrage sera à point pour cette course en catégorie EV. Évidemment, ce sera la seule de cette catégorie pour le moment. Marc-André de la Sablonnière, qui est incidemment dans la ligne Saint-Michaels, et la Plymouth de couleur noire qui se replace encore une fois, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, les pilotes qui tentent de chercher la meilleure traction à la ligne de départ. De la Sablonnière, qui lui choisit un temps de 8,50. Son adversaire dans la Nova prend le départ dans la ligne AutoPro. Concédera un léger avantage, a choisi, semble-t-il, un 9,29 de l'autre côté, du côté de la ligne AutoPro. On verra ce que ça va donner dans quelques instants. Donc, les deux pilotes qui s'installent, le départ qui sera donné dans quelques instants, entre Jacques Ménard et Marc-André de la Sablonnière. Et l'arbre de Noël qui s'allume, voilà, c'est parti. Lumière rouge pour Jacques Ménard du côté de la ligne AutoPro. La victoire qui revient automatiquement à Marc-André de la Sablonnière avec la Plymouth réalise tout de même un temps de 8,41. Une chance pour lui que son adversaire avait fait allumer la lumière rouge puisqu'il est allé en bas de son temps par 9 dixièmes. On fait une courte pause. Nous serons de retour à Saint-Félicien tout de suite après. De retour à Saint-Félicien, nous voyons ici une démonstration d'une voiture en catégorie Top Alcohol Funny Car, celle de Pete Brosin. Toujours fort spectaculaire, cette catégorie. Oui, Michel et Pete Brosin, commandité par la brasserette L'Après-Sport de Saint-Félicien. On a profité de l'occasion pour solliciter des commandites locales pour cette présentation. Présentation faite évidemment dans un esprit de camaraderie. Pilote qui vient de Reading en Pennsylvanie. Donc, en démonstration, Pete Brosin. Et sur ces images, mesdames, messieurs, ça va compléter notre première émission. J'espère que ça vous a plu. À la semaine prochaine!
Réseau des sports vous présente le Festival d'accélération Autopro de Saint-Félicien. Une présentation d'Autopro. De la bière désalcoolisée Saint-Michael's. Et par les bétons préfabriqués du lac. Mesdames, Messieurs, ici Michel Hervé en compagnie de Denis Lecourt. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette autre émission, la deuxième de la série, en marge du Festival d'accélération Fun & Car de Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean. Denis, si on parlait des deux catégories que l'on va voir particulièrement aujourd'hui, ce sont le Supergaz et le EV comme tel. Oui, la catégorie EV tout d'abord, qui est une catégorie moindre évidemment que les Supergaz. Ce sont des voitures qui ne sont non admissibles, si on veut, sur la route ici au Québec. Ce sont des voitures de compétition qui compétitionnent lors des événements nationaux. On n'a qu'à penser au Grand National de Molson, en exemple. Ce sont des voitures qui vont courir dans les catégories stock ou super stock avec des index parfois différents selon la cylindrée des voitures, la transmission des voitures. Et ils se retrouvent lorsqu'on a une compétition comme celle-ci, qui est une compétition selon le système qu'on appelle AT Bracket. Donc, qu'on choisit un temps, c'est la classe EV. Pour la catégorie Supergaz, c'est un index fixe, donc avec un départ professionnel, avec 9,90 comme index sur la piste de quart de mille, évidemment. On peut quand même atteindre dans ces catégories des vitesses assez impressionnantes. Oui, on parle de vitesses au-delà de 100 000 à l'heure. Évidemment, ici, on est un petit peu dans le néant en ce qui concerne une piste d'un huitième de mille. C'est peut-être la première expérience ici à l'autodrome Saint-Félicien. Mais tout de même, ce sera des vitesses assez impressionnantes. Et oui, c'est ce que je voulais vous parler, parce qu'on est habitué, nous, au Québec, particulièrement sur des circuits comme Sanaire, Napierville, à des distances d'un quart de mille et un huitième, il faut quand même s'adapter à ça. C'est pas très facile. Oui, non pas qu'il y a des ajustements spéciaux, c'est les temps qui changent beaucoup. On parle de 6 secondes et moins dans certains cas. Mais ce que j'aimerais peut-être revenir sur la catégorie Supergaz, ce qu'il faudra comprendre, c'est que la veille de cet événement, il y avait à la piste de Pont-Rouge, qui est un autre excellent circuit de compétition au Québec, il y avait une confrontation de voitures Supergaz et les compétiteurs ont terminé très tard leur soirée. On sait qu'on est au Lac-Saint-Jean, à Saint-Félicien. Il y avait la distance, on annonçait beaucoup de pluie. On a été chanceux, le matin, il pleuvait beaucoup, mais en après-midi, il y avait eu beaucoup d'éclaircies. Malheureusement, très peu d'inscriptions dans cette catégorie. Denis, merci. Alors, mesdames, messieurs, allons voir comment ça se passe sur la piste. Alors, comme vous l'avez mentionné, Denis, un seul participant du côté du Supergaz, mais on en a beaucoup du côté de la catégorie Street. Nos deux premiers concurrents, la voiture 308 à la gauche, Richard Potvin, et le 313 de Gaston Dallaire, la voiture rouge, la Mustang. Oui, Richard Potvin de Jonquière et Gaston Dallaire de l'Adoré, Québec. Donc, c'est bon pour ce genre de compétiteurs qui sont de la région ici de Saint-Félicien. Richard Potvin qui a choisi un temps de 8,50 versus 10,19. Pour Gaston Dallaire du côté de la ligne Saint-Michael's. Donc, c'est la voiture de Dallaire qui, évidemment, quitte en premier, alors que Richard Potvin, lui, s'en vient. Et ce sera d'ailleurs Dallaire qui va enregistrer le meilleur temps, soit 10 secondes 427, une vitesse de 65,02 milles à l'heure. Oui, le meilleur des deux temps de réaction qui était venu à Richard Potvin du côté de la ligne Autopro, mais du côté de Gaston Dallaire, il a pu récupérer avec de la puissance Richard Potvin qui a peut-être mal jugé le temps qu'il avait choisi sur sa voiture. Le 312, la Fiero de Roger Lavoie et le 310, la superbe Corvette de Danny Roy. Encore deux pilotes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Chicoutimi plus précisément pour Roger Lavoie et Danny Roy de La Terrière, Québec. Donc les deux voitures qui ont maintenant quitté et ce sera, aussi bizarre que ça puisse paraître, la Fiero de Roger Lavoie qui va coiffer la ligne d'arrivée au premier rang. Un temps de 12 secondes 039, 46 000 à l'heure. On a pu voir, Michel, le temps de réaction au-delà de 1 seconde de temps de réaction des deux côtés. Ça a été à l'avantage de Roger Lavoie qui a pris la victoire. La Honda maintenant, Gino Poirier. Gino Poirier qui avait inscrit 2 véhicules à cette compétition ici au Lac-Saint-Jean. Il est confronté à Denis Pageau dans cette catégorie voiture de rue, la classe Street. Donc, voiture 302 et 314. Les deux pilotes qui quittent la ligne de départ. Et ce sera sur ce huitième de mille, la victoire de Denis Pageau. À la toute dernière minute, une vitesse de 59,36 milles à l'heure, un temps de 12,023. Oui, sur un temps choisi de 11,63, mais avait également le meilleur des deux temps de réaction. Louis Ouellet, maintenant dans la ligne Autopro, avec sa magnifique voiture, une Nova SS, confrontée à la Rambler de Luc Maldet. On ne voit plus beaucoup sur nos routes, ces Rambler. Non, assez exceptionnel de voir une Rambler en compétition.
On voit les deux pilotes qui arrivent pratiquement à égalité, mais plus rapide un petit peu. Louis Ouellet qui a réussi à combler l'écart. Michel, oui. 5,33 le temps de réaction. 9,83 le temps qu'il enregistre avec 7 millièmes. 70 000 à l'heure exactement. Et nous aurons notre dernier concurrent, la voiture Corvette, le 305, Martin Lehoulier. Il est parti! Martin Lehoulier de Sainte-Marguerite, Québec, au volant de sa magnifique Corvette 1975, 8 cylindres de 350 pouces cubes, évidemment. Il va enregistrer un temps de 10 secondes 278, une vitesse de 68,28 000 à l'heure. Ce qui veut dire, Denis, qu'en quart de finale, nous allons retrouver d'abord le 312 de Roger Lavoie, ensuite le 314 de Denis Pajot contre le 313 de Gaston Dallaire, le 303 de Louis Ouellet et le 305 de Martin Lehoulier. Là-dessus, on fait une courte pause. Denis, si on parlait du temps de réaction qui est donné aux pilotes et pour les profanes, l'arbre de Noël, le système de lumière, comment ça se passe? D'abord, le temps de réaction, c'est peut-être la principale, la clé du succès en accélération. L'arbre de Noël, ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on a une compétition selon le système de ET Bracket, comme on a ici à l'Autodrome Saint-Félicien pour le festival de Funacre, entre chacune des lumières jaunes, il y a 5 dixièmes de seconde de temps. C'est donc le même temps entre la dernière lumière jaune et la lumière verte. On essaie de trouver le meilleur temps que possible dans ce 5 dixièmes de seconde. Mm-hmm. Si on coupe une lumière à 0.500, on a coupé une lumière parfaite. On a anticipé le départ de la plus belle façon. Et ça, il y a une lumière rouge qui s'allume à ce moment-là. Si on va en bas du 0.500, si on va à 0.499, la lumière rouge s'allume automatiquement. Et faites à souligner, si jamais les deux pilotes anticipent le départ avec le système qui est muni ici, l'autodrome Saint-Félicien, celui qui aura été le moins en bas du 0.500, lui aura la lumière verte. Oui, ça sera surveillé. Merci, Denis. Nos deux prochains concurrents en catégorie autopro, c'est le 401 dans le haut de l'écran. La voiture de Denis Moreau contre le 403 d'Alain Garneau. Oui, ce qu'il faut comprendre, cette catégorie spéciale en compétition, c'est via tous les marchands autopro de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui participaient à une compétition pour le défi autopro, on peut l'appeler, dans le cadre de ce festival de Funacre ici au Lac-Saint-Jean. Donc, les deux pilotes qui ont quitté la ligne, et ce sera la voiture de Denis Moreau, la Camaro, qui va terminer au premier rang avec une vitesse de 67,77 000 à l'heure, un temps de 10,469. Oui, sur un temps choisi de 10,41, c'est un excellent temps pour Denis Moreau. Ce qui veut dire qu'en classe autopro, on va retrouver en finale les voitures 407 et 401, respectivement de Jean Tremblay et de Denis Moreau. On voit ici une démonstration maintenant, Denis, de cette catégorie moto, une superbe Budweiser. C'est une superbe moto de compétition. Oui, c'est une moto de compétition, un pro-compétition qu'on appelle de cette moto. C'est Mario Tifo. Mario Tifo de Alma, ici au lac Saint-Jean. Une Kawasaki 1425. Ouf! CC. Incroyable. Kawasaki 1990. Le poids total de la voiture, 625 livres seulement. Tenez bien le guidon, mon ami, parce qu'il y a de la puissance au départ. Oui, et vous savez, Michel, que le record en moto, si on parle de record catégorie top fuel, record absolu. Motocyclette top fuel, plus de 300 000 à l'heure sur un quart de mille à moto. Assez particulier, mon ami. Cette marque avait été établie à Reading, en Pennsylvanie, à la piste Maple Grove. Alors, Mario Tifo qui nous démontre la puissance de sa machine. Un temps de 5 secondes 66. Imaginez, ça va très vite, Denis. Oui, il a été obligé de laisser l'accélérateur. On pouvait voir la moto qui voulait constamment lever à l'avant. A dû donc laisser l'accélérateur, mais au-delà de 100 000 à l'heure quand même sur un huitième de mille, je m'excuse. Mario Tifo, donc, en démonstration. Maintenant, en compétition. Les motos numéro 2999 de Robert Genet et le 1149 de Serge Jeté qui s'affrontent. Oui, deux excellents pilotes et on pourrait voir les deux pilotes avec les temps identiques. 6,25 de temps choisi des deux côtés. Évidemment, on le rappelle, on doit respecter le temps qu'on choisit, c'est-à-dire 6,25. Alors, Robert Genet qui s'amène de reculons sur la ligne alors que Serge Jeté attend évidemment son adversaire pour ce départ. Deux superbes
bolide, encore une fois. Suzuki versus Yamaha. Serge Jeté au guidon de la Yamaha. Robert Genet, qui lui conduit une Suzuki 1986, 1127 cc contre 1250 cc pour Serge Jeté. Alors encore beaucoup de puissance pour ces deux bolides qui vont quitter à l'instant. Donc Robert Genet et Serge Jeté. Et c'est Jeté qui vient ravir facilement cette victoire en un temps de 6,690 secondes, en une vitesse de 84,74 000 à l'heure. Temps de réaction, le Serge Jeté avait le meilleur des deux temps de réaction avec son 6,22, 6,22 versus 6,97. On a vu l'hésitation après le départ pour Robert Genet. Maintenant, la moto numéro 59 de Julien Aubin à la gauche de l'écran et le 11 de Clément Larouche. Oui, Clément Larouche, le pilote de Delisle, Québec, au guidon d'une Kawasaki, une ZX-10 de 1000cc pour Clément Larouche. Julien Aubin, son adversaire du côté de la ligne AutoPro, lui conduit une moto de 1100cc. Kawasaki 1100cc. Oui, les deux bolides qui ont maintenant quitté. Et ce sera quand même Aubin qui termine au premier rang, mais sous son temps choisi. C'est une vitesse donc de 99,33 000 à l'heure pour Clément Larouche. Oui, Aubin qui avait choisi 6,85, a tourné 6,70, 15 centièmes en bas de son temps, donc automatiquement éliminé. Nos deux prochains concurrents, la moto à la gauche, le 128 de Marco Bussière et le 704 de Denis Lavoie. Oui, Denis Lavoie qui conduit un VF1000, Honda VF1000 1985, 4 cylindres contre le Kawasaki de Marco Bussière. Marco Bussière qui, lui, est de Saint-Casimir. Denis Lavoie de Lamalpé, Québec. Donc, les pilotes qui viennent quand même d'assez loin ont franchi de bonnes distances pour venir ici compétitionner à l'Autodrome Saint-Félicien dans le cadre du Festival de Funny Car. Marco Bussière qui nous présente une superbe moto. Alors, c'est le départ. C'est une lumière rouge pour Bussière, justement. Et ce sera Denis Lavoie qui va venir chercher la victoire en un temps de 7,727, 91,09 000 à l'heure. Oui, Denis Lavoie qui avait l'avantage au départ. Son adversaire, malheureusement, tentait de regagner le temps perdu. Lumière rouge qui s'allume avec un temps de réaction trop rapide. Denis Lavoie qui réalise, lui, un 7,72, 91 000 à l'heure. C'est excellent. Donc, en demi-finale, Serge Jeté va compétitionner tout seul, évidemment. Et Clément Larouche, voiture numéro 11, contre le 704 de Denis Lavoie. On passe maintenant à la classe EV, la voiture 202 de Marc-André de la Sablonnière et le 109 de Michel Rochette que l'on voit ici. Oui, Michel Rochette avec la magnifique Camaro du côté de la ligne Saint-Michaels. Son adversaire, Plymouth dans la ligne AutoPro, Marc-André de la Sablonnière. De la Sablonnière qui a choisi un temps de 8,50 versus 7,67 pour Michel Rochette. Donc l'avantage à tout près de une seconde pour Marc-André de la Sablonnière du côté de la ligne AutoPro. Donc de la Sablonnière qui vient s'installer sur la ligne de départ. Rochette, lui, était là depuis quelques instants déjà. Donc en catégorie EV. Voilà, c'est le départ de nos deux bolides. Et ce sera sur ce 1/8 de mille, la victoire de Michel Rochette en un temps de 93,75 000 à l'heure, 7 secondes 774. Oui, il avait choisi un temps de 7,67, 10 centièmes en haut de son temps choisi, mais le tout s'est vraiment joué à la ligne de départ avec le meilleur des deux temps de réaction par un centième de seconde de temps de réaction meilleur du côté de Michel Rochette. Malgré que l'on voit le 201 de Jacques Ménard, ce sera bien la voiture verte de Alain Racine, de 203, qui va prendre le départ. Oui, Ménard qui a effectué un réchauffement de pneus, mais l'officiel qui l'a enjoint de regagner les puits de ravitaillement. Et c'est assez clair, oui, je pense. Oui, c'est clair. Jacques Ménard qui avait perdu dans la ronde précédente et s'est représenté, évidemment, à tester peut-être un petit peu la qualité des officiels, mais a pu se rendre compte assez rapidement qu'il y avait bonne qualité d'officiel. On l'enjoint de regagner les puits de ravitaillement. Donc, Alain Racine départ seul. Temps choisi, évidemment, qui devient sans aucune importance lors d'une course seule, accédera donc à la finale. 9 secondes, le temps choisi, c'est le bon temps peut-être pour tester la voiture. Il prend le départ dans la ligne AutoPro. Alors Alain Racine qui va signer un temps de 9 secondes, 212, une vitesse de 65,31 000 à l'heure.
avec un temps de réaction de 7,26. Évidemment, pour l'emporter en finale, il faudra améliorer les temps de réaction. Donc, Alain Racine qui va affronter Michel Rochette, la voiture 109 dans cette catégorie EV. Et on a ici donné un aperçu de ce que nous réserve après la pause cette catégorie Top Alcohol Funny Car. On voit Joe Comella et Ron Scott. Oui, Joe Comella au réchauffement de pneus maintenant. Et on aura Ron Scott qui procédera également à son réchauffement de pneus. On réchauffe sur toute la distance du 8e de mille ici à l'Autodrome Saint-Félicien. Alors, nous allons faire une courte pause là-dessus. Mesdames, messieurs, nous serons de retour tout de suite après avec la compétition. Denis, si on avait à tracer le parallèle entre les bolides que l'on voit au cours de ce week-end et ce qu'on est habitué de voir au Grand National, à Saner particulièrement. Si on accepte, Michel, évidemment, les voitures de rue en compétition ici, si on parle des catégories EV, évidemment, on a parlé un petit peu plus tôt lors des émissions, on a parlé qu'il y a des voitures de classe EV qui se retrouvent au Grand National dans les catégories stock ou encore super stock. Mais il y a également, il faut parler des voitures alcool funny car, les voitures alcool funny car qui compétitionnent lors des événements nationaux comme le Grand National de Molson. Et fait à souligner lors des émissions précédentes également ici au Réseau des sports, on avait parlé dans la catégorie Pro Stock, il y avait des bras de vitesse, il y avait 5 ou 6 bras de vitesse dans certains cas pour la transmission. C'était dans les catégories Pro Stock, les catégories professionnelles. Pour les catégories moindres, comme on retrouve ici, il y a à quelques exceptions près, la majorité des pilotes qui sont équipés, les moteurs dont les voitures sont équipées plutôt de transmission à boîte automatique. Merci, Denis. On va voir en démonstration Top Alcohol Funny Car, Denis, la voiture de Pete Brosine. Oui, Pete Brosine qui revient donc pour une démonstration ici à l'Autodrome Saint-Félicien. Pete Brosine, évidemment, qui tente de tester au meilleur de sa connaissance la voiture ici sur le 8e de mille. La première présence pour Pete Brosine sur une piste, un 8e de mille. C'est un pilote de Reading en Pennsylvanie, là où aura lieu prochainement la course Keystone National, une des plus importantes épreuves, outre évidemment le Grand National de Molson, qui est très important pour nous principalement de la NHRA. Mais ce sera chez lui, évidemment, on lui souhaite la meilleure des chances pour cette épreuve. Des voitures toujours très spectaculaires, des pilotes avec beaucoup de témérité. On connaît évidemment Gilles Daou, notre Québécois, qui se distingue évidemment fort bien depuis quelques années. Et on a travaillé fort, Michel, du côté promotion pour cet événement. On peut voir la brassette La Presse Sport de Saint-Félicien, commanditaire. On a trouvé des commanditaires pour chacune des voitures Alcoa, le Funny Car en compétition, les 4 voitures donc. Pete Brosine, entre autres, il y avait Ron Scott, Joe Camella, Jim Lape également qui était présent. Et le pilote, je pense, devant qui on devrait lever peut-être son chapeau le plus, le pilote de l'Ohio, Joe Camella. L'état de l'Ohio, c'est un nombre d'heures incalculable. Alors, on va voir justement les voitures de Joe Camella et Ron Scott. Oui, ceux qu'on a eu juste avant la pause commerciale, Ron Scott qui partira dans la ligne St. Michael's, Ron Scott de Clifton Park. Clifton Park, New York, et Camella a un bris mécanique pour Joe Camella de l'autre côté. Ron Scott qui franchit donc la distance avec un 5,52, 151 000 à l'heure pour Ron Scott. Pour un circuit d'un 8e de mille, Michel, avec pas beaucoup de traction, c'est excellent. Alors, on voit ici Joe Camella qui quitte la voiture, un peu désolé, bris mécanique. Oui, bris mécanique pour Joe Camella, mais sûrement qu'il voudra réparer pour revenir. Pete Brosine, qu'on a vu à quelques occasions, maintenant, il se présente pour une compétition. Contre Jim Lape, la voiture 1485, qu'on voit un tout petit peu à la droite de l'écran. Donc, on va au réchauffement des pneus. Actuellement, on fait presque le 8e de mille. On fait effectivement toute la distance du 8e de mille pour seulement le réchauffement de pneus. Jimmy Lape de Myerstown, Pennsylvanie également. Donc, deux pilotes qui se connaissent fort bien. Il y a beaucoup de pilotes dans cette catégorie Alcoa Funny Car. Plusieurs qui sont des produits de la Pennsylvanie, Michel. Ces voitures qui nous présentent des pneus incroyables derrière, c'est une largeur assez impressionnante. Oui, pouvez-vous imaginer combien il peut y avoir de pression d'air à peu près dans ces pneus à l'arrière?
On parle entre 5 et 8 livres de pression d'air. Imaginez. Alors, Jim Lake. Jim Lake, commandité pour cet événement par la brasserie La Voile de Saint-Prime. C'est le départ. Donc, Pete Brosine qui va facilement l'emporter. Une vitesse de 149,50 000 à l'heure. Un temps de 5,724. Oui, un temps très, très lent. Un temps de réaction pour Jim Lake, évidemment. Sa première présence ici. Temps de réaction plutôt lent avec un manque de traction évident à la ligne de départ. Les pneus qui tournent continuellement tout le long. Donc, nous verrons en finale Ron Scott contre Pete Brosine, voiture 100 et 123 respectivement. La mission fait une courte pause. Au retour, nous verrons la catégorie Street. De retour à Saint-Félicien pour la suite de ce festival d'accélération Autopro au Lac-Saint-Jean. Et pour cette catégorie Street, c'est la voiture 312 de Roger Lavoie qui prend le départ. Oui, Roger Lavoie qui pouvait profiter de la course seule dans cette ronde éliminatoire. Roger Lavoie avec une Pontiac Fiero 4 cylindres 2.58. Il est de Chicoutimi, donc un pilote de la région. Réalise un temps de 11.63 pour Roger Lavoie à 53 000 à l'heure. On voit la voiture 313, la Mustang de Gaston Dallaire et Denis Pajot. 314 qui est déjà installé, lui. Donc, Pajot qui bénéficie d'une Buick Century dans le haut de l'écran, dans la ligne Autopro. C'est le départ pour nos deux pilotes. Oui, Gaston Dallaire qui manque son départ au volant de la Mustang, fait allumer la lumière rouge. Ce sera dur pour lui de récupérer ce qu'a déjà acquis Denis Pajot, c'est-à-dire la victoire à l'autre bout pour Denis Pajot. 11,92 sur un temps choisi de 11,63 à 59 000 à l'heure. On verra maintenant la Corvette numéro 305 de Martin Lehoulier contre le 303 de Louis Ouellette. Voiture verte. Oui, Louis Ouellette de Robertval, Québec et de Sainte-Marguerite, Martin Lehoulier. Donc, comme je le mentionne à plusieurs reprises, les pilotes qui sont très heureux de revoir de l'accélération, puisqu'il y en a eu un petit peu dans le passé, mais jamais organisé de cette façon avec les officiels majeurs, les officiels représentant la NHRA également, qui sont ici à l'autodrome Saint-Félicien. Et Martin Lehoulier qui vient chercher la victoire, une vitesse de 71,77 000 à l'heure, un temps de 9,986. Donc, en demi-finale, la voiture 314 de Denis Pajot va bénéficier d'un départ seul. Le 312 de Roger Lavoie sera affronté au 305 de Martin Lehoulier. Passons maintenant à la catégorie Top Alcohol Funny Car. Il y a Joe Camilla qui semble avoir réglé ses problèmes mécaniques. Oui, Joe Camilla qui revient. Évidemment, on parlait un petit peu plus tôt d'esprit de camaraderie entre ses pilotes. Et des pilotes qui veulent évidemment conserver leur renom. Donc, Joe Camilla, qui a brisé la voiture lors de la ronde précédente, permet au promoteur de présenter une ronde supplémentaire puisqu'il vient faire son spectacle. Mm-hmm. Et on a pu voir quel spectacle il nous offre. Un réchauffement de pneus au complet, c'est-à-dire tout le huitième de mille au complet. Et pour les profanes, justement, qu'est-ce que c'est le panneau qu'on ouvre sur le toit? Le panneau, d'un premier temps, ça sert pour évacuer la fumée qui s'accumule à l'intérieur de la voiture. Et le même panneau sert en cas d'urgence, lorsqu'on doit sortir rapidement. Et souvent, lorsqu'on se retrouve, ces pilotes se retrouvent sur un circuit d'un quart de mille et qu'ils se retrouvent à tout près de trois quarts de mille lorsqu'ils arrêtent, ils sortent tout simplement par cet endroit. D'accord. Il faut dire aussi que c'est très chaud à l'intérieur de ces habitacles, des moteurs qui dégagent beaucoup de chaleur. Oui, beaucoup de chaleur. Il y a certains événements, notamment celle qu'on appelle le Summer National à Englishtown, New Jersey. Cet endroit-là, on l'appelle le four. On nous dit que sur la piste, lors de la compétition au Summer National, il y a 140 degrés de température sur la piste. Imaginez à l'intérieur de la voiture. Alors, Joe Camilla qui prend le départ de ce huitième de mille, une vitesse assez impressionnante de 155,71 000 à l'heure, un temps de 5,430. Oui, le temps le plus rapide jusqu'à maintenant, 5,43, Joe Camilla. Voilà, mesdames, messieurs, sur ces images de foule, ça complète ce reportage pour cette semaine du Festival d'accélération Autopro de Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean. À la semaine prochaine. Au revoir.
Réseau des sports vous présente le Festival d'accélération Autopro de Saint-Félicien. Une présentation d'Autopro. De la bière désalcoolisée St. Michael's. Et des bétons préfabriqués du lac. Mesdames, Messieurs, ici Michel Hervé en compagnie de Denis Lecourt. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette troisième émission en marge du Festival d'accélération Fun & Car de Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean. Denis, nous allons voir aujourd'hui les catégories street et aussi une catégorie qu'on n'est pas tellement habitué de voir, ce sont les motos. Oui, les motos qui sont en compétition, on a eu l'occasion de le mentionner lors de la dernière émission, qui sont en compétition à la piste de Napierville, principalement à chaque semaine ou à chaque deux semaines environ. Il y a une catégorie spéciale pour les motocyclettes. Il y a plusieurs de ces pilotes qui se sont amenés ici au Lac-Saint-Jean pour compétitionner dans une catégorie tout à fait spéciale. Il y en a une vingtaine de motos. Et pour ce qui est de la catégorie street, évidemment, c'est des voitures de rue. Autant vous, Michel, autant moi, on pourrait participer à cette compétition puisque c'est disputé selon le système ET Bracket. C'est donc dire qu'avec des pratiques qu'on a effectuées le matin, on peut déterminer un temps choisi sur la piste 8e de mille et compétitionner selon ce temps choisi. On parlait aussi de la présence des bolides en top alcohol funny car. Oui, les alcohol funny car, évidemment, qu'il ne faut pas les oublier, mm-hmm. C'est les vedettes ici à ce festival de funny car à Saint-Félicien. Les funny car qui, d'ailleurs, il y a des pilotes qui nous viennent aussi loin que l'Ohio pour mm-hmm. venir compétitionner ici à Saint-Félicien. Il y a notamment Ron Scott qui en a fait voir de tous les couleurs. Et ce qui est assez impressionnant pour ces pilotes, il y en a qui ont brisé lors des compétitions et qui sont quand même revenus pour faire tout de même une exhibition pour compléter le programme. Et je pense qu'on doit lever notre chapeau pour ces pilotes qui venaient de très loin pour compétitionner. Moi, je peux vous dire qu'à 10 heures du matin, personne n'était sûr de compétitionner. Mm-hmm. Et avec acharnement, on a pu poursuivre le programme. Ça s'est terminé très tard. Mais heureusement, ils ont pu tous compétitionner et la satisfaction de tout le monde, évidemment. Denis, on sait que le circuit de Saint-Félicien en est un d'un huitième de mille. Comment est-ce qu'on peut le comparer dans les cinq ou six circuits qu'on a au Québec? Évidemment, c'est assez dur à comparer puisque la piste d'un huitième de mille ici à Saint-Félicien n'a jamais eu de compétition d'accélération comme telle avec des voitures aussi performantes, entre autres, que les Alcohol Fun & Car. Donc, il n'y a pas beaucoup de traction, si on peut l'appeler ainsi, sur la piste. Donc, les Fun & Car, c'est un petit peu un réchauffement qu'ils effectuent sur un quart de mille qu'ils effectueront ici sur la huitième de mille. Merci, Denis. Alors, mesdames, messieurs, allons voir comment ça se passe sur la piste. Nous débutons notre émission avec une récapitulation du quart de finale du côté des motos, alors que le 29,99 de Robert Genet à gauche rencontre Serge Jeté, le 11,49. Oui, et c'est Serge Jeté qui prenait la victoire. On avait pu voir Robert Genet qui a manqué son coup, si on peut l'appeler ainsi, à la ligne de départ. Serge Jeté grâce à un chrono de 6,69, 84 000 à l'heure. Maintenant, le 59 dans le haut de l'écran de Julien Aubin contre Clément Larouche. La moto numéro 11. Oui, Julien Aubin qui prend le départ dans la ligne Autopro, dans la ligne Saint-Michael, c'est Clément Larouche. Le meilleur des deux départs revenu du côté de la ligne Saint-Michael's. Et à l'autre bout, il conserve son temps selon son temps choisi, puisque Julien Aubin est allé en bas de son temps avec un 6,70 sur un temps choisi de 6,85. Maintenant, du côté Autopro, c'est Marco Bussière, moto 128. Et du côté Saint-Michael's, 704 de Denis Lavoie à la droite de l'écran. Oui, Denis Lavoie dans la ligne Saint-Michael's et Marco Bussière qui concédait un avantage de plus de une seconde et demie en fait, a fait allumer la lumière rouge, évidemment, tentait d'anticiper de meilleure façon le départ. Malheureusement pour lui, éliminé de la compétition. Donc, en demi-finale, nous verrons Serge Jeté qui va compétitionner tout seul, donc va se qualifier automatiquement pour la finale. Et dans l'autre affrontement, Clément Larouche, le 11 contre le 704 de Denis Lavoie. On voit justement ces deux derniers pilotes, Clément Larouche et Denis Lavoie, respectivement à gauche et droite de l'écran. Oui, Clément Larouche dans la ligne Autopro et du côté de Denis Lavoie, il prend le départ dans la ligne Saint-Michael's. On peut voir le réchauffement de pneus des plus spectaculaires des deux côtés du circuit pour ces pilotes de moto, donc en route vers la demi-finale. On sait que le 11-49, Serge Jeté, lui, profite de la course seule dans cette demi-finale. Il accède donc de façon automatique à la grande finale de cette division de moto. Donc, le 11, Clément Larouche. Et le 704, c'est Denis Lavoie. Cette demi-finale catégorie moto. Et ce sera le départ dans quelques instants. Voilà, c'est donné.
Avec un excellent temps de réaction pour Denis Lavoie du côté de la ligne Saint-Michaels. Excellent, je dis excellent, c'est du moins le meilleur des deux temps de réaction puisqu'à 7-9-2. Il avait enregistré un temps, une vitesse, c'est-à-dire de 80 000 à l'heure. Oui, en un temps de 7,96. Maintenant, c'est Serge Jeté avec son bolide numéro 11-49 qui, lui, facilement, évidemment, n'a pas à hypothéquer sa machine pour se qualifier automatiquement pour la finale. Alors, surveillons bien son temps et sa vitesse. Oui, mais le choix de la ligne devient important, oui. Michel. C'est pourquoi il tente de réaliser le meilleur temps que possible. Il réalise un 6,29 avec 8 millièmes, 114 000 à l'heure. Et voyez le temps de réaction, 0.571. À seulement 71 millièmes d'un temps parfait de réaction. Donc, en finale, nous verrons le 704 de Denis Lavoie contre le 1149 de Serge Jeté chez les motos. On revient avec une récapitulation maintenant du quart de finale en catégorie street. C'est Roger Lavoie, le 312, qui prend le départ seul. Oui, Roger Lavoie profitait de la course seule dans cette compétition, cette ronde éliminatoire quart de finale de la division street. Avait réalisé un 11,63 sur un temps choisi de 11,50, pourra donc s'ajuster pour la prochaine ronde, soit la demi-finale. Maintenant, le 314 du côté Autopro de Denis Pajot contre, dans le Saint-Michaels, le 313 de Gaston Dallaire. Et Pajot qui peut bénéficier d'un départ quand même assez facile, puisque Dallaire s'est immobilisé. Oui, on se souviendra que Gaston Dallaire avait perdu par sa propre faute en faisant allumer la lumière rouge à la ligne de départ dans la ligne Saint-Michaels. Maintenant, du côté du 303, Louis Ouellet dans la ligne Autopro contre le 305 de Martin Lehoulier du côté Saint-Michaels, la Corvette. Et on avait pu voir à ce moment-là la performance de Lehoulier avec sa magnifique Corvette, beaucoup de puissance. Louis Ouellet qui a poussé à fond, franchi la distance de premier, malheureusement pour lui, était allé en bas de son temps avec un 9,76 sur un temps choisi de 9,85. Ce qui veut dire que le 312 de Roger Lavoie va affronter le 305 de Martin Lehoulier et le 314 de Denis Pajot, lui, va bénéficier d'un laissez-passer, si vous voulez, il sera seul en piste. On voit d'ailleurs cette demi-finale, le 312 à la gauche, la Fierro Blanche de Roger Lavoie et la Corvette de Lehoulier, le 305. C'est intéressant de voir plus de 2 secondes, tout près, du moins de 2 secondes de différence au départ. Le tout qui pourrait jouer au temps de réaction. Roger Lavoie avec sa Fierro a réagi en 0.925 et Lehoulier 0.690. Il a réussi à le devancer à l'autre bout. Martin Lehoulier qui réalise un temps de 690, le temps de réaction effectivement, 10-11 sur un temps choisi de 9,86, excellent, à 69 000 à l'heure. Maintenant, Denis Pajot qui s'amène seul en piste avec sa voiture numéro 314, sa Buick. Donc, Pajot qui va automatiquement, il va sans dire, se qualifier pour la finale. Donc, c'est le départ pour Denis Pajot. Oui, effectivement, c'est toujours une chose intéressante à surveiller au niveau des courses seules. Les deux autres pilotes qui étaient en demi-finale avaient également obtenu des courses seules lors des rondes précédentes. C'est donc dire pourquoi c'est lui qui a eu la course seule. Donc, le 314 de Denis Pajot sera affronté en finale à Martin Lehoulier, le 305, dans cette catégorie street. Au retour de la pause, la finale street, mesdames, messieurs. Denis, on avait à parler des exigences, des capacités que ça prend pour s'installer derrière un volant comme les voitures qu'on voit actuellement. Est-ce que c'est Monsieur Tout-le-Monde qui peut s'asseoir là-dedans? Monsieur Tout-le-Monde, si on parle de catégories, d'abord, on débute en accélération dans les catégories moindres. C'est un petit peu les gens qui sont habitués de compétitionner des compétitions du drag de rue, qu'on appelle couramment, qui s'amènent sur les circuits de course, qui commencent à compétitionner selon des systèmes et des brackets. Et on prend un petit peu la piqûre, on gradue. C'est un petit peu à l'exemple, on revient toujours à l'exemple, puisqu'on a un Québécois qui gradue de plus en plus, Gilles Daou, qui est maintenant en Alcohol Funicar, comme on a ici au Festival de Funicar de Saint-Félicien. Mais il a passé par la catégorie Supergas, Gilles, pendant plusieurs années, là où il a dominé, pendant quelques saisons d'ailleurs. Et il avait définitivement le talent et évidemment peut-être un petit peu plus les moyens financiers qu'un autre pilote, parce qu'il y a question de finances, toujours en accélération. Mais je pense que ça prend une dextérité et surtout une concentration plus on avance dans les catégories. Mais il n'y a pas une tendance à penser qu'il faut être imposant physiquement pour conduire ces bolides-là. Non, on peut vous donner l'exemple d'un joueur de golf. On sait très bien, vous et moi, Michel, que
c'est pas nécessairement la grosseur qui compte, toi, frapper une balle de golf plus loin. Parce qu'il y a aussi de plus en plus des dames qui pratiquent cette discipline. Oui, et ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, il y a certains circuits, notamment Napierville, qui offrent des compétitions de dames au volant selon le système ET Bracket avec des voitures de rue. On a qu'à penser à Nicole Gauthier du côté québécois qui conduit une voiture en catégorie compétition au Grand National. Elle était en super gaz l'année dernière. Il y a, en catégorie plus élevée, si on parle au niveau de la NHRA, il y a Laurie Jones, évidemment, qui est encore active. Et il y a Shirley Muldowney, qui a été trois fois championne mondiale en catégorie Top Fuel. Donc, les dames en compétition, il faudra les surveiller. Merci, Denis. Merci. Tout est en place maintenant pour la grande finale du côté de la catégorie Street. Et c'est Denis Pageot, voiture 314 dans la ligne Autopro contre Martin Léaulier, le 305 dans le 5. Et Martin Léaulier qui bouge trop rapidement, anticipe trop le départ, la lumière rouge. Donc pour la Corvette, la victoire qui reviendra à la Buick Century, conduite par Denis Pageot, avait réalisé un excellent temps de réaction, même s'il devait concéder... Il avait l'avantage au départ. Son adversaire, lui, concédait l'avantage. 6,54 temps de réaction, 11,96, 59 000 à l'heure. Donc, Denis Pageot qui remporte la grande victoire du côté de la catégorie Street. On va maintenant passer, Denis, à la démonstration du seul participant du côté de la catégorie Supergaz. Oui, comme on l'a expliqué un petit peu plus tôt, évidemment, la catégorie Supergaz qui était en compétition la veille à la piste de Pont-Rouge, en banlieue de Québec. Malheureusement, plusieurs pilotes ne se sont pas présentés à cause de la température, sûrement pour la majorité. Jean-Guy Landry est le pilote, c'est un compétiteur de Lachenay, en banlieue nord-est de Montréal. Jean-Guy Landry, qui est au volant de sa Camaro, voiture Supergaz. Habituellement, l'index en catégorie Supergaz, 9,90 sur un quart de mile, dis-je bien, mais 6,90 sur une piste, un huitième de mile. Donc, un excellent chrono de 6,920, 108,69 miles à l'heure. On passe tout de suite à la finale du côté des motos. Il s'agit du 704 de Denis Lavoie dans la ligne Autopro contre... dans la ligne Saint-Michaels du 11-49 de Serge Jeté, que l'on voit à l'avant ici. Oui, Serge Jeté qui est un compétiteur familier. On peut le voir juste d'après sa moto à l'arrière avec la barre qui est installée, évidemment, pour empêcher la moto de quitter le sol à l'avant. Serge Jeté, c'est un excellent compétiteur chez les motocyclistes. Voilà le départ qui est donné. Serge Jeté qui va remonter son adversaire ici pour remporter la victoire en un temps de 6 secondes 384, une vitesse de 92,59 miles à l'heure, un excellent temps de réaction aussi. Oui, à 0.592, c'est un excellent temps de réaction pour Serge Jeté, lui qui est habitué de compétitionner dans cette division de motocyclette. Donc, c'est la victoire pour Serge Jeté, grand champion de la catégorie moto. On va maintenant revoir du côté de la classe Autopro une des demi-finales entre Denis Moreau et Alain Garneau qui sont en piste. Oui, Denis Moreau qui prend le départ dans la ligne du côté de la ligne Autopro, Alain Garneau du côté de la ligne Saint-Michaels. Les deux avaient choisi à ce moment-là du côté de Denis Moreau 10,41 et du côté d'Alain Garneau avait choisi lui 11,49. Concédait donc une seconde d'avance, Denis Moreau qui concède une seconde d'avance sur son adversaire. On voit d'ailleurs l'arbre qui a descendu une seconde plus rapidement du côté de la ligne Saint-Michaels à l'avantage évidemment d'Alain Garneau. Donc, c'est Denis Moreau qui va venir chercher la victoire avec un chrono de 67,77 000 à l'heure, un temps de 10,469. Donc, Denis Moreau se qualifie pour la finale contre Jean Tremblay au volant de la voiture 407. La voiture qui est en fait une camionnette, oui. Michel, une magnifique camionnette Dodge pour Jean Tremblay du côté de la ligne Saint-Michaels. Il prend le départ de la ligne Saint-Michaels, affiche d'ailleurs ses couleurs. Oui, très bien même. Les couleurs Autopro et du côté de la ligne Autopro. Il aurait dû peut-être prendre le départ dans la ligne Autopro avec son drapeau Autopro, mais il prend le départ dans la ligne Saint-Michaels. Du côté de la ligne Autopro, on retrouve Denis Moreau qui avait disposé d'Alain Garneau en demi-finale. Donc, c'est cette grande finale entre Denis Moreau et Jean Tremblay, la voiture contre la camionnette. Et Denis Moreau avec la lumière rouge qui s'est allumée du côté de la ligne Autopro, la victoire qui reviendra à Jean Tremblay avec la magnifique camionnette Dodge dans la ligne
St. Michael's avec un temps de réaction à 0.918. Il réalise un temps de 11,82,59 milles à l'heure. Donc, Jean Tremblay qui est couronné grand champion du côté de la classe Autopro. Mesdames, messieurs, on va faire une courte pause. Au retour, demi-finale en classe EV. Nous sommes de retour au lac Saint-Jean avec une récapitulation de la demi-finale en classe EV. Marc-André de la Sablonnière à gauche contre Michel Rochette. Oui, Michel Rochette qui avait le meilleur des deux temps de réaction à la ligne de départ avec un 6,76 versus 7,82 pour de la Sablonnière. Michel Rochette avait pris la victoire avec un 7,77, le temps réalisé 93 000 à l'heure. Maintenant, Alain Racine qui va prendre le départ tout seul dans cette demi-finale, donc il se qualifie automatiquement pour la grande finale. Oui, avec son départ seul, évidemment, en tente de maîtriser la ligne Autopro avec un 7,26 de temps de réaction. Il réalise un temps de 9,21, pourra évidemment se réajuster pour la finale. Il y avait un temps indiqué sur la voiture à 9 secondes. Donc, Alain Racine contre Michel Rochette dans cette grande finale. C'est ce qu'on voit à l'instant. Oui, oui. Je m'excuse, Michel. Alain Racine qui prendra le départ du côté de la ligne Autopro, encore une fois. Lui qui a testé, si je peux m'exprimer ainsi, lors de la ronde demi-finale, lorsqu'il avait la course seule. Et du côté de Michel Rochette, lui se retrouve du côté de la ligne Saint-Michaels avec un spectaculaire réchauffement de pneus. Oui. Alors, les deux voitures qui s'amènent sur la ligne, moment évidemment très important pour ces deux pilotes, puisqu'on en est à l'ultime affrontement. Et on peut voir, Michel, que c'est en fin de journée et le soleil qui apparaît, qui fait son apparition maintenant. On aurait espéré l'avoir plus tôt le matin dans la journée, mais on a pu tout de même présenter tout le programme. Et la lumière rouge pour Rochette. Michel Rochette qui fait allumer la lumière rouge. Donc Alain Racine qui va remporter cette victoire avec un temps de 8 secondes 956, un millage de 72,69 milles à l'heure. Et un excellent 5,98 de temps de réaction. Donc, Alain Racine, grand vainqueur dans cette catégorie EV. Nous allons maintenant revoir, mesdames, messieurs, ce qui s'est passé lors de la demi-finale en Super Pro, alors que la voiture 11-10 de Daniel Boiteau à gauche est affrontée au 6-32 de Clément Rochette. Les deux avec d'excellents temps de réaction, 6-43 pour Daniel Boiteau, 6-05 pour Clément Rochette du côté de la ligne Saint-Michaels. Dans la ligne Saint-Michaels, Clément Rochette réalise un 7,23 sur un temps choisi de 7,05, 98 000 à l'heure, accède donc automatiquement à la finale. Maintenant, Jean-Luc Lee, voiture jaune-orange contre Bob Gagné à la gauche de l'écran, maintenant à la droite. C'est Lee qui va remporter la victoire en un temps de 7,786, 92 000 à l'heure. Donc, lors de la finale, nous verrons Jean-Luc Lee contre Clément Rochette. Voilà cette finale en classe Super Pro. On devrait voir encore beaucoup d'action. Donc, Clément Rochette avec la magnifique chevelle Malibu prend le départ dans la ligne Saint-Michaels. La Dodge Dart, les fameuses voitures Dart Swinger 340 du début des années 70. Jean-Luc Lee. Jean-Luc Lee avec un temps choisi pour la voiture numéro 100 de 7,74. Est-ce que les deux pilotes pourront réaliser leur temps de demi-finale? On sait que Rochette avait enregistré un temps de 7,238, une vitesse de 98 000 à l'heure et un peu plus, alors que Lee, lui, avait signé un temps de 7,786 et 92 000 à l'heure. Donc, c'est intéressant, c'est des pilotes assez spectaculaires et des pilotes qui compétitionnent aussi de façon régulière à ce type de compétition dans la classe EV. Ou plutôt classe Super Pro, je m'excuse, c'est la division Super Pro, une des divisions les plus rapides qu'on avait ici au Lac-Saint-Jean. Évidemment, si on fait exception des Fonecar et de la voiture Supergaz. C'est lumière rouge pour Clément Rochette dès le départ, la voiture 6,32, même s'il le termine au fil d'arrivée en première position. C'est donc une victoire de Jean-Luc Lee, un temps de 7,761 secondes, une vitesse de 93,18 000 à l'heure. Victoire en grande finale Super Pro de Jean-Luc Lee. Et maintenant, on va passer à la catégorie Top Alcohol Funny Car tout de suite après la pause.
Le retour au lac Saint-Jean avec cette fameuse catégorie Top Alcohol Funny Car, c'est la grande finale. Alors que Pete Rosy, une voiture 123, sera opposé au 1485 de Jim Lape. Et on dit que ce sera un affrontement à surveiller, on va s'en dire. Deux pilotes excellents sur cette catégorie, avec oui. Beaucoup de fumée. Beaucoup de fumée, spectaculaire comme réchauffement de pneus. On a franchi encore une fois la distance du huitième de mille complètement seulement au réchauffement de pneus. C'est donc dire qu'on essaie de trouver la traction maximum pour franchir le huitième de mille et enregistrer le meilleur temps que possible. Alors Pete Brosyn qui va se retrouver du côté de la ligne Autopro et Jim Lape, lui, voiture 1485 dans la ligne St. Michael's. Alors, Rosine qui s'amène tranquillement, pas vite, de reculons vers la ligne de départ. Et on nous apprend à l'instant, Denis, que Jim Lape éprouve des ennuis mécaniques. Oui, un bris mécanique pour Jim Lape ne pourra prendre le départ. Donc, départ seul pour Pete Brosyn au volant de sa magnifique voiture commandité par Sunoco aux États-Unis, mais la brassette La Presse Sportive ici de Saint-Félicien, commandite locale, on le répète encore une fois, pour Pete Brosyn. Bris mécanique donc pour Jim Lane. Alors surveillons le temps de réaction, le temps aussi que ça va prendre pour ce 1/8 de mille. Ça va aller très très vite en Top Alcohol Funny Car. C'est Pete Brosyn avec un temps de 5,813 secondes, une vitesse de 150,02 milles à l'heure. La réaction, hein? 8,92, un temps de réaction très lent, Michel, puisque dans les catégories professionnelles comme les Alcohol Funny Car, le temps de réaction devient à 0.400. Donc, c'est Pete Brosyn qui remporte les honneurs de cette grande finale en Top Alcohol Funny Car. Nous allons voir la finale consolation dans cette catégorie. C'est Ron Scott au volant de la voiture 100 contre Joe Comella, le 30-03. Donc, les voitures qui dégagent beaucoup de fumée. Et on voit ici la voiture qui saute beaucoup. Oui, tout comme une sauterelle à l'année, après avoir franchi la distance à son réchauffement de pneus du côté de la ligne Autopro. Possiblement le réchauffement le plus spectaculaire de la journée. On sait que ça tire à sa fin, cette programmation ici à l'Autodrome Saint-Félicien, alors que le ciel se dégage complètement maintenant. C'est absolument incroyable. Cette compétition était menacée le matin de l'événement et en fin de journée, le gros soleil. Alors, on voit très bien ici la voiture de Comella, le 30-03 contre la voiture de Ron Scott. On verra ce que ça va nous donner en finale consolation. Deux superbes voitures. Et c'est Ron Scott qui a effectué possiblement le plus beau réchauffement de la journée avec de la fumée sur tout le huitième de mille. Maintenant, l'accélération, Comella qui avait l'avance à l'accélération, a eu un excellent temps de réaction. Joe Comella, le numéro 3-0-0-3. Mais c'est le numéro 100 qui prend la victoire, Ron Scott, avec un 5,55, 155 000 à l'heure. Ça fait beaucoup de 5. Alors, nous verrons maintenant Jim Lape, qui n'avait pu partir tantôt lors de la grande finale contre Pete Brosyn, éprouvant des problèmes mécaniques. Alors, pour le spectacle, il va venir nous donner une démonstration en fin de programme. Évidemment, une superbe voiture. Les spectateurs ne veulent rien manquer à cette démonstration. Oui, Jim Lape, évidemment, qui revient pour la dernière présentation. Évidemment, qui voulait être présent pour clôturer. On sait qu'il avait connu un bris mécanique lors des rondes précédentes. Et donc là, pour clôturer cette présentation. Espérons qu'il aura trouvé justement la solution à ses problèmes. Il est installé à la ligne de départ et on peut voir que la transmission semble éprouver encore des difficultés. Alors, c'est un peu décevant pour lui, Jim Lape. Sur ces images, mesdames, messieurs, ça complète cette série de reportages sur ce festival. Merci d'avoir été là. À une prochaine. Au revoir. We'll be right back.